La Fed, la Banque centrale des États-Unis, a confirmé mercredi soir le cap de sa politique monétaire un peu plus d'un mois après avoir décidé d'augmenter la perfusion financière de l'économie américaine. C'était le fameux troisième assouplissement quantitatif. La Fed, mercredi soir, a confirmé les lignes directrices de cet assouplissement. Elle va continuer d'acheter sur les marchés les titres liés à des créances immobilières à hauteur de 40 milliards de dollars par mois, tant que la perspective du marché du travail ne s'améliore pas nettement, précisait le communiqué du 13 septembre dernier. La réserve fédérale américaine a également maintenu la marge de fluctuation de son principal taux d'intérêt directeur de 0 à 0,25%, promettant de le maintenir à ce niveau exceptionnellement bas, au moins jusqu'au milieu de l'année 2015.